the guy you didn't know. Your love and your power, and you forever. Hello family, hello my people, welcome back to our channel. We thank God for this opportunity again he has given to us. This video is about cleaning motivation. It was early morning on Sunday. I decided to wipe and to dust this living room because there was dust everywhere. I removed some of the decoration, wiped my console table. We're gonna wipe as well the media wall, and we're gonna clean the couch, deep cleaning the couch, both couch into living room. And we're gonna sweep because the floor wasn't that dirty, just to return order and leave the good smell in the house before we go at church. Bonjour les amis, bonjour la famille. Encore une fois, je vous accueille dans notre chaîne et je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'était une motivation ménage du dimanche très tôt le matin. Toute ma famille encore au lit, je m'étais réveillée, commencé à essuyer, à lever de la poussière partout dans ces salons. Et aussi, on va nettoyer nos fauteuils dans tous les deux salons. Puis, je nettoie pas le sol car le sol n'était pas très, très sale et je vais seulement balayer car je ne pouvais pas commencer l'aspirateur car la famille était au lit encore une fois. Et puis, on va faire une petite recette à la fin de la vidéo, juste pour vous motiver, vous montrer que le nettoyage, c'est à n'importe quand. Il y a des jours qu'on fait très tôt le matin, il y a les jours qu'on fait pendant la journée, il y a les jours qu'on fait les soirs, et ça dépend du temps qu'on a. Car moi, je n'aime, to be honest, je n'aime pas, pour être vrai, je n'aime pas supporter de la saleté. Malgré que je me dis que je vais laisser comme ça. Parfois, il y a des fois que je me dis, ah, ça va rester comme ça. Mais à chaque fois que je passerai là où il y a les désordres, je vais me retrouver déjà, je suis en train de nettoyer, je suis en train d'essuyer. Et parfois mon mari ne me comprend pas car il y a des fois que je lui dis aujourd'hui je ne touche rien dans cette maison, je vais laisser tout comme tel qu'il soit. Mon mari me dit, oh, tu n'as aucune pression sur toi. Si tu te sens fatigué ou si tu sens que tu ne peux pas le faire, tu n'as qu'à laisser. Mais je vais me retrouver après, à chaque fois que je passe dans l'endroit où il y a la saleté, où il y a un désordre, il y a ce qui ne va pas, je vais me retrouver encore une fois en train de nettoyer, en train de suivre. C'est pour cela que je dis surtout aux mamans qui sont très occupées, et en tout cas, il ne faut pas avoir l'état de nettoyer. L'état que tu te sens fort, tu es en forme, tu sens que tu as la motivation, tu peux le faire en n'importe cas. En n'importe cas, je m'étais réveillée très tôt le matin car c'est le dimanche et j'ai voulu laisser la maison propre car après l'église, je n'aime pas nettoyer, je n'aime pas préparer la nourriture, j'aime quand je reviens, je puisse trouver la nourriture déjà cuite et on mange. Si on a à se déplacer quelque part avec mon mari ou les enfants, on pourra le faire tout en sachant qu'on a à manger déjà. C'est ce que j'ai fait. Comme toute la semaine, je n'ai pas eu l'état de faire le nettoyage à fond. Je m'étais dit, malgré que demain, ça sera le lundi et c'est mon jour de nettoyage, je vais commencer le dimanche car le lundi, je dois nécessairement se focaliser sur les douche et nettoyer en dessous des lits. Sur ce, je vous prierai de vous abonner massivement sur notre chaîne, aimer, liker et partager. Surtout si vous aimez nos contenus, abonnez-vous massivement, mes chers amis. And you forevermore.
I finished to clean my first living room, then I come to this side. I wipe the fridge, as you see, with the YouTube there. We always have fingerprints there because my sons want to play their games on this fridge. I will just wipe their fingerprints, and also I look inside if there is some one or two things that I can wipe. It's what I'm doing every day. I'm making sure that I'm touching the inside just to remove the small stuff that they always in the inside the fridge. Then I go to this kitchen to just wipe the dishes that my daughters cleaned last night, and I will wipe only the countertop because the kitchen cabinet I wiped them 2 days ago, and I have a video, but I didn't have time to edit the video. Yeah, it's what I'm doing. The cabinet are super cleaned, but only the countertop, as I'm cooking there, as we always have children. My children, they start giving themselves food. My daughter started cooking sometimes, that we always have to wipe the kitchen cabinet. Even the floor wasn't that clean, but today I will not clean the floor. I will just sweep and go to clean the couch as well, and wiping the dining table, dining chair. Oh,
Après le nettoyage, après le reste de nettoyage, j'ai fait hors caméra et puis je suis venue terminer la préparation des nourritures que j'ai préparées. Aujourd'hui, on s'est servi des choux comme légumes et la façon que je prépare les choux, je ne prépare pas longtemps comme nous, les femmes congolaises. Au Congo, nous avons l'habitude de rester longtemps les légumes. Donc, nous voulons bien cuire les légumes. Mais la façon là de préparer pendant quelques minutes seulement les légumes, j'ai appris en Afrique de l'Est, en Tanzanie, au Kenya, au Malawi, même en Ouganda, les femmes ne préparent pas longtemps les légumes. On ne prépare que quelques minutes et ça suffit. Car j'ai appris qu'en préparant longtemps, on tire quelques valeurs nutritives dans les légumes. Et j'ai vu que leur manière de préparer, c'est bien. Et moi, je m'étais décidée de commencer à préparer. D'ailleurs, c'est mon mari qui m'a appris à préparer comme ça. C'est mon mari qui m'avait appris à préparer pas longtemps. Et j'ai continué à préparer comme ça. Comme vous pouvez voir, je n'ai pas mis beaucoup d'épices. J'ai mis seulement les épices fraîches, les oignons, tomates et céleri et de l'ail seulement. J'ai ajouté les végétaux comme sel et ça suffit comme ça. J'ai ajouté aussi les pâtes d'arachide. Chez nous, là à l'est du Congo, on met les arachides dans chaque légume. Après, je m'étais baignée, j'ai porté un oversize blazer. Avant d'aller à l'église, je m'étais habillée comme vous me voyez. Et j'ai porté un talon blanc avec les gros sacs que je vais vous montrer là-bas. Car là, dedans, il y a la Bible, il y a quelques matériels didactiques pour les Sunday School, l'école de dimanche. Et c'est comme ça que je m'étais habillée. Et puis, je vais vous montrer les résultats de mon nettoyage d'aujourd'hui. Je n'ai pas torchonné le sol, mais j'ai seulement essuyé, organisé tout ce qu'il y avait à organiser. J'ai fait la poussière, et vous vous souvenez que j'ai fait aussi les fauteuils et j'étais très, très, très contente. Merci pour la vidéo. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne. Aimez, likez et partagez notre vidéo. This is the end of my video. Don't forget to subscribe. Don't forget to like. Don't forget to comment. After I finish to clean, I cook. I finished the rest of cleaning off camera. Then I came to cook the cabbage as you saw. And this is the result of our cleaning off today. Yeah. Then we're gonna see you next time in our next video. We are ready to go at church. As you can see, I didn't finish to wipe here because I could be very, very, very late. But we're gonna finish tomorrow. Yeah.